Vous avez l'air en forme pour un homme de votre âge. J'incarne un personnage mafieux. Ça vous intéresse de faire un petit peu d'argent? Appelez-moi. Moi, c'est Muffin. Je le caractériserais comme bipolaire. C'est-à-dire qu'il est à la fois angélique et démoniaque. C'est quelqu'un qui est manipulateur, narcissique, et qui, en fait, a un plaisir, c'est le jeu, mais pas n'importe quel jeu, c'est pas le jeu de casino. Asseyez-vous, je reviens tout de suite. Au départ du film, on a de l'empathie pour lui. Et très rapidement, on se rend compte que c'est une enflure. Je me suis dit que Muffin, en fait, c'est un mafieux de la triade française qui a fait tellement de conneries et qu'un jour, son parrain lui a dit « Tu vas aller au Canada, tu vas te faire oublier et après, tu reviendras quand ce sera plus calme. » Le problème, c'est que Muffin, il retourne à Montréal et il refait les mêmes conneries. Pourquoi tu viendrais pas avec un peu plus de retard la prochaine fois? À la lecture du scénario, j'étais plus capté en fait par l'histoire, la noirceur de ce film-là qui était hyper intéressante. Je veux que ça finisse, Marvin. J'aime bien arriver dans l'univers où on n'a pas tout de suite les clés. Et après, on les comprend à la fin. He's the stronger man on the set, and I love to call him Sylvester Stallone. Si moi j'ai changé, si vous avez changé, alors tout le monde peut changer. It could be an actor, right?